En tant que parent, vous êtes-vous jamais demandé, est-ce que l'école enseigne à mon enfant comment survivre et se débrouiller financièrement dans le monde d'aujourd'hui et de demain? Que puis-je faire s'il n'aime pas l'école, obtient de mauvaises notes, éprouve des difficultés d'apprentissage? Comment puis-je m'assurer que mon enfant reçoit une éducation adaptée aux réalités de la vie? Bonjour, bienvenue sur cette dernière vidéo de présentation de livres qui font grandir. Je pourrai en refaire d'autres après sur d'autres livres. Là, je boucle en fait par rapport au livre « Père riche, père pauvre » de Robert Kiyosaki. Et je vous ai présenté en introduction celui qui va aider en fait à la mise en place concrète « Nos enfants riches et brillants, donner un bon départ financier à votre enfant ». Ou dans ce livre, comme alors dans Père riche, père pauvre, il explique tout son parcours, toute cette découverte qu'il a découvert avec ses deux pères dont il parle, avec ses deux visions du monde auxquelles il a été confronté et ce qu'il en a tiré. Et dans ce livre, il va vraiment expliquer concrètement. Et là, pareil, on va se retrouver avec des choses précises, avec des exemples concrets. Comment est-ce qu'on fait pour transmettre ces histoires-là à nos enfants? Comment on fait pour leur parler d'argent? Comment on fait pour qu'ils développent des compétences financières? Parce que ben, finalement, ce n'est pas donné à tout le monde. Et pourquoi on peut ramer aussi financièrement? Ben, tout simplement parce qu'on n'a pas eu une éducation financière étant enfant, étant jeune. Donc ces livres de Robert Kiyosaki, ils sont, alors attention, hein, c'est pas du livre qui a été très peu édité, hein, attention, Robert Kiyosaki, donc celui-là, best-seller du New York Times, Père riche, père pauvre, a été publié, traduit dans 51 langues, donc autant vous dire que s'ils sont traduits dans autant de pays, c'est que véritablement ce sont des livres très très précieux, super intéressants. Père riche, père pauvre, pourquoi je ne l'ai pas? Parce que je l'ai écouté en livre audio, vous le trouverez en livre 2 sur YouTube, vous trouverez le PDF. Il a vraiment souhaité que cette connaissance soit vraiment largement diffusée et qu'elle ne reste plus dans un petit cercle de personnes instruites par rapport à ces questions de finance. Voilà, donc Je souhaitais boucler cette découverte donc, de livres qui font grandir sur les questions de finances et aussi sur les questions de parentalité. Parce qu'évidemment, moi-même, en tant que maman, j'ai énormément travaillé sur la parentalité. Et ces derniers livres, que ce soit les secrets d'un esprit millionnaire, Père riche, père pauvre, celui-ci, Nos enfants riches et brillants, ça m'a permis aussi de donner une autre dimension pour accompagner mes enfants au-delà de l'éducation qu'on leur donne, de comment être dans le monde des adultes, etc. Et ça apporte évidemment une autre vision. Et je suis très contente du résultat, puisque, par exemple, ma deuxième fille, une des dernières fois où on a discuté ensemble, qu'on s'est vu, qui m'a dit, mais de toute façon, moi j'ai clairement compris que la première chose que je ferais, c'est d'acquérir un bien pour qu'il soit productif. Elle a tout de suite compris ce que c'était un bien qui rapportait de l'argent par rapport à un bien qui soit une charge, comme une maison d'habitation, c'est une charge, ça ne produit pas de revenus. Alors, ok, on aura peut-être un patrimoine à l'arrivée, mais c'est quelque chose qui ne va pas rapporter régulièrement. Et donc toutes ces choses-là, elles l'ont compris du coup bien avant que j'ai pu imaginer des trucs pareils. Et rien que ça, eh ben, je trouve que c'est génial en tant que parent. Voilà, ben, écoutez, j'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à découvrir ces différents livres. Je vous souhaite de belles lectures pour cet été. Au plaisir de lire vos commentaires sur le sujet, de vous retrouver dans le groupe Grandir au rythme des saisons, où je vais vous partager aussi d'autres choses par rapport à ce fameux rythme des saisons dont je vous parle depuis un petit moment. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça permet de gagner par rapport à d'autres personnes qui vont aller contre le rythme, comme c'était mon cas il y a plusieurs années.
Voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite bonne continuation et à très bientôt.